Part 2. Silver Snow. Verdant Rain Moon. Following a Dream. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Three Houses. C'est l'épisode 40 déjà, et oui, ça fait un bail que nous avons commencé cette aventure ensemble. Et nous allons continuer ce chapitre avec une possible mort de Rhea à la poursuite des rêves. On sent qu'on approche assez rapidement du dénouement de cet arc narratif avec Edelgard. Alors Shambhala a été détruite et les ambitions des serpents des ténèbres avec elle. Malheureusement, Rhea est ressortie grièvement blessée de cette bataille. Qu'adviendra-t-il d'elle? Qui devra porter sur ses épaules le lourd destin de Fodlan? Alors du coup, elle n'est pas morte et c'est probablement nous, Pylès, qui devrons porter ce destin. Peut-être que Edelgard n'est pas morte, hein, il reste quand même quelques chapitres. Et si Thalès est mort, ce que nous venons de faire, venons de le tuer, eh bien peut-être qu'il reste encore... une master plan derrière tout ça. On verra bien. Ok. Donc, le premier du mois. Que se passe-t-il? Comment va Dame Rhea? Vestibule journée. Ok, elle n'est pas morte. Et elle a encore une fois enlevé tous ses accoutrements. Ça c'est plutôt sympathique. Tenez bon, Dame Rhea. Vite, emmenez-la dans sa chambre. Cette blessure est très grave. C'est un miracle qu'elle soit encore vivante. Je ferai de mon mieux, mais... D'accord, c'est donc elle qui va la soigner. Il y a 5 ans, quand cet endroit a été capturé, une énorme créature blanche est apparue sur le champ de bataille. Il n'avait pas capté que c'était elle? Ah ouais. Il s'agissait de l'Immaculée Rhea. Oui, bon, on était au courant. Mais elle s'appelle l'Immaculée, du coup. Ok. Ce jour-là, elle a essayé de me sauver. Pardon? Vous connaissiez déjà son identité? Ah oui, bah oui, elle s'est transformée devant moi en fait. En y repensant, je crois que oui. Bah carrément, hein. Je vois. Par le passé, les enfants de l'Hadès pouvaient tous changer d'apparence, à l'instar de l'Immaculée. J'ai perdu ce pouvoir il y a bien longtemps, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas de Rhea. Ah, il avait ce pouvoir aussi. Ce stylé. Transforme en dragon. Vous êtes un enfant de la déesse? Bonne question, Bailes. N'est-ce pas évident? Flynn et moi le sommes tous les deux. Ah, et c'est pour ça qu'ils veulent votre sang. Nous avons très longtemps protégé Garegmak et tout le continent de Fodlan. Mais à présent, la vie de Rhea ne tient plus qu'à un fil. Sa lumière vacille. J'ignore s'il est possible de la sauver. Et si elle survit, sera-t-elle seulement la même? Professeur, pensez-vous pouvoir poursuivre l'heure de Rhea en tant que protecteur de Fodlan et guide de ses habitants? Vous devez défendre les peuples, les guider, leur enseigner vos lumières, joindre leur cœur afin que la paix s'étende à tout le continent. Vous n'avez pas besoin de devenir archevêque, mais Fodlan a besoin d'être gouverné. Il vous revient de régner sur ces terres meurtries par la guerre. Ah bon, carrément. J'ai pas grand chose à dire, hein. Je suis d'accord. Ne vous sentez pas obligé de répondre, de donner votre réponse immédiatement. Nous continuerons à soigner Rhea de notre mieux. Il serait peut-être judicieux de connaître l'avis de nos amis au monastère à ce sujet. Je suis d'accord. Quand vous auriez pris votre décision, venez me voir, je vous prie. J'aimerais que vous me fassiez part de votre choix en présence de Rhea. J'aimerais qu'elle me dise la vérité surtout, moi. Parce qu'elle n'est pas morte, donc on va en profiter. La bataille est terminée, on y va. On veut des révélations. On veut connaître des choses sur notre passé, sur notre naissance, qui apparemment a l'air d'être assez
Ah, c'est un peu douteuse quand même, hein. En cours, tournoi d'épée. Ok, on va faire ça. Tournoi d'épée, on a des bons épéistes. On n'a rien là. On va probablement avoir les élèves qui vont nous dire et Dame Réa, comment elle va, blablabla. Ça, c'est plutôt sympa. Oh, un chien. Bonjour. J'aime pas les chiens. Donnez-moi un chat. Donnez-moi un chat. Vous avez dû voir, si vous avez vu l'épisode 12 de Luigi's Mansion, que je n'aimais pas les chiens. Alors. Ok, on va voir dans les... On va peut-être pas aller voir les appartements de Réa tout de suite. Ça sera un peu manger le beurre avant les épinards. Ça ne veut rien dire. Surtout que personne ne mange les épinards. Encore moins sans beurre. Réa et Dorothée, tu es là. Évitons de revivre de tels moments. Bah ouais, c'est pas fou. La guerre est enfin terminée. Avez-vous jamais ressenti un tel bonheur? Alors, est-ce que c'est vraiment terminé, en fait? J'avais peur de ne plus jamais connaître la paix de mon vivant, pourtant nous y sommes et il ne peut plus rien nous arriver, n'est-ce pas? Je suis tellement heureuse que j'ai l'impression que mon cœur va jaillir de ma poitrine et sans pouvoir me départir d'une grande sensation de perte. Il est vrai que nos pertes ont été grandes, nous avons protégé plus que nous n'avons perdu. Ouais, mais bon... Oui, c'est certain, mais nous n'avons pas moins réussi à protéger plus encore. Ouais, c'est vrai que ça leur a fait plaisir, mais... Mais bon. Je vous en prie, faites votre possible pour que la paix se maintienne, que nous n'ayons plus jamais à revivre d'aussi sombres moments. Bah oui, avec plaisir. Avec plaisir, Dorothée. Avec plaisir, nous allons maintenir la paix. Il n'y a personne par ici, il n'y a personne par ici, il y a Bernadetta ici au dortoir. On va aller la voir. Hop. Bonjour Bernadetta. Toujours coincée dans sa chambre. Ouf, le cauchemar est enfin terminé, professeur. Même si je m'inquiète encore pour Dame Réa. Mais au moins Faudelan a retrouvé l'unité et ces horribles personnes tapies dans l'obscurité ne sont plus. Je vois poindre une nouvelle ère délicieuse où Nadette va pouvoir se terrer dans la joie. Il n'en est pas question, c'est ce que vous souhaitez. Ah non, il n'en est pas question. Comment? Pourquoi pas? Ce n'est quand même pas vous, ce n'est quand même pas votre tout premier décret officiel. Ne dites pas que vous allez encore me demander mon aide. Ah, pourquoi? Oh là là. C'est pas bien de rester enfermé, dit le monsieur qui joue aux jeux vidéo. elle a l'air triste, cette pauvre dame. Toute seule sur un banc. Waouh. Ah, la joie de vivre dans son regard. Bon, après, elle a peut-être perdu tous ses parents. Donc, on comprend. On comprend que ce soit pas la joie. Caspar. Qu'as-tu à nous dire, Caspar? Toujours à la pêche? Toujours à la pêche? Il est où? Ah, il est là. Vivement le couronnement. Ah, ouais, carrément. Oh, yeah! L'affaire est bouclée, professeur! Qu'est-ce qu'on leur a mis, pas vrai? Surtout nous, mais bon. Faut quand même dire qu'on en a bavé, hein. C'est à se demander comment on s'en est sorti. Mais ensemble, on a réussi et je vais pas m'en plaindre. Moi non plus. Maintenant, il vous reste plus qu'à prendre le tête du pays. Vivement le couronnement, ça va être la fête. Ah oui, non, mais ils me voient tous déjà roi, quoi. Ils me voient tous déjà roi alors que je n'en ai nullement envie. Ce n'est pas mon but. Mais si, c'était mon plan depuis le début. Je suis en fait un méchant. Non, je suis un démon. Comme on nous l'a dit. Allez, on va faire un plat du jour avec Dorothée. Non, ben non, elle est déjà full. On va faire Shamir. Et Cétès. Allez. Comme ça leur fait remonter leur motivation. Dun-dun-dun. Hey, ça fait plaisir de voir une pleine tablée de mes plats préférés. C'est agréable de partager un repas avec quelqu'un de temps en temps. On est trois en tout. Merci de ne pas snober l'un de nous deux. Probablement d'ailleurs Shamir. Merci Cétès. tac à tac. Du coup, on a fait notre tour ici. On va aller faire le combat à l'épée. C'est important. Après, j'irai peut-être après. Attends, je vais voir, je vais parler probablement avec Hanneman pour m'entraîner à faire des trucs. Linhart, Hanneman et Linhart probablement. Donc je peux en utiliser 4. Allez,
Tournoi des pays. Ah, je peux pas participer. Oh, c'est la loose. Ouais, c'est trop fort. Niveau recommandé 40 ou plus. Arme utilisée, épée entraînement, récompense 2000. Bah voilà. C'est bien ça. 2 dégâts. Pardon. Pas censé faire aussi peu de dégâts à l'épée, elle. Ok. On va se faire défoncer au premier tour. C'est pas mal. Dorothea, qu'est-ce que tu nous as fait? Elle est censée être forte à l'épée, elle. Bah, du coup, on va faire Catherine. Hein. 33, waouh. Niveau recommandé 40. Du coup, tous mes épéistes, ils sont très mauvais. Génial. On va essayer avec Catherine, mais j'ai du mal à... Peut-être. 20 dégâts x 2. C'est déjà un peu mieux. J'ai quand même un bon niveau à l'épée. Hein. Mais bon, avec Fulgurante, c'est plus efficace. Quoi. Fighting is what I do. Ok, 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 ok. 46, 12. Donc là, elle que 17. Donc a priori, on devrait le tuer. Ça fait plus de dégâts. Et on a un PV de moins. Donc. Mais c'est pas garanti, quoi. Oh non, on a raté. Ben non, t'as pas le droit de rater comme ça. Oh là là, c'était... For Lady Rhea. C'était pas loin là de la mort. Ok, 20 x 2 pour récupérer 40 PV, ça c'est pas mal. Ok, là ça devrait être mieux déjà. Boum. Yop là. Youpi. Et Catherine qui va donner le coup de grâce. Être assassin. Heureusement qu'on a pris Catherine, beaucoup plus débrouillarde que... Dorothea. En même temps, c'est tournoi de magie, Dorothea. Plutôt ça. Ah, c'est un cheval de volant, elle. Narmoulas. Ah, petit coup critique. Ah, ça a carrément niqué le sol, quoi. Ok. 24, 18, on va soigner. Tant pis. Hop. On est parti. C'est la demi-finale, mais... Les petites esquives, non, dommage. Ok, petit dernier coup, petit esquive. Allez, petit dernier coup, nice. Ok. Oh, Lady Rhea. On gagne de la thune. Eh, mais on a gagné en fait, ok. C'était la finale, je croyais que c'était la demi. Mais non, c'était la finale. Eh bien, on a gagné, parfait. On va du coup aller voir si on n'a pas des gens qui nous ont demandé des choses. Eh oui, ça fait beaucoup de suppositions. C'est bien vrai, professeur. Alors, c'est qui ça? C'est une sœur. J'ai entendu que vous alliez prendre la tête de ce nouveau pays, c'est vrai. Moi qui croyais que vous succéderez à Dame Rhea en tant qu'archevêque. Le monastère sera bien vide sans vous. Oh, mais j'ai une idée. Et si Garreg Mac devenait la nouvelle capitale? Ouais, bah oui, ça me paraissait évident. Lire demande de conseil. Compte tenu de la note, j'aimerais devenir meilleur cavalier avant le prochain combat. Comment m'y prendre? Je vous demande parce que moi, je sais pas y faire. À cheval. Faites s'y prendre avant, ce retard maintenant. Gratouiller leur l'encolure, car qui s'y frotte s'y pique. Ah, il aime bien les blagues, lui. C'est Aloïs. Eh oui. J'ai reconnu que c'était Aloïs et les blagounettes. Je me rappelais que ça lui faisait plaisir. Donc, prendre en considération la personnalité de la personne à laquelle on répond pour satisfaire ses attentes avec une bonne réponse. Dame Rhea va guérir, n'est-ce pas? Vous croyez que Dame Rhea va s'en remettre? Elle va guérir, pas vrai? Bah, je sais pas. Je me fiche bien de savoir qui va lui succéder parce que ce ne sera pas nécessaire de toute façon. Ok, c'est pas faux. Dit comme ça, c'est pas faux. Tu seras bientôt guéri et heureuse à nouveau, vous allez voir. Mais oui, Cyril, ne t'inquiète pas. On s'en fout. Voilà. Ne t'inquiète pas, ta maman va être guérie. C'est pas ta maman, mais un peu pour toi. Nous y sommes enfin, capitaine. Nous avons réussi, Gérald. Notre vieux navire est arrivé à bon port. La bataille a été longue et amère, mais je peux enfin me décharger de ce fardeau. Bonjour. Moi, vous ne surgissez pas comme ça de nulle part sans rien dire. Prochaine fois, annoncez-vous. Sachez que... Que vous décidiez de succéder à Dame Rhea ou non, je serai toujours à vos côtés. Il vous appartient de choisir la vie que vous mènerez. C'est ce que le capitaine vous aurait dit, je pense.
Tu n'as rien à m'apprendre. Génial. Flayne, toujours dans le bureau de son papa. J'ai confiance en la guérison prochaine de Dame Rhea, mais pour le moment, elle a besoin de repos. Pendant sa convalescence, quelqu'un se doit de la remplacer et diriger Faudelan. Je ne vois personne d'autre apte à remplir ce rôle que vous, professeur. C'est en tout cas ma conviction absolue, je ne doute pas que tout le monde la partage. Allez, donne-moi un peu de foi. Ça me fera passer niveau B, j'ai encore beaucoup à apprendre, en effet. Hop, normalement, il y a quelqu'un ici. Bonjour Manuela. La vie n'est pas toujours facile, vous savez, mais elle est quand même moins dure quand on a des amis pour nous aider. La prise de bec occasionnelle sont sans gravité, c'est pour ça que l'on crée des liens, n'est-ce pas? Et des amis, je n'en manque pas, professeur. Loin de là, c'est plutôt l'amour éternel qui semble avoir oublié mon existence. Vous devriez vous détendre, il n'est pas trop tard, il est peut-être temps de faire une croix dessus. Il n'est pas trop tard, vous devriez vous détendre. Pas trop tard, mais où est mon âme sœur, je vous le demande, ma lueur d'espoir dans la nuit. À l'heure qu'il est, vous êtes le seul homme qui remarque un tant soit peu mon existence, je vais devoir m'en contenter, on dirait. Ouais, parce que surtout que tu n'es pas ma target, mais alors du tout. t'as zéro chance avec moi. Shambhala est une cité souterraine gouvernée par une lignée totalement étrangère à celle de la déesse. Et ce phénomène étrange provoqué par un pouvoir sans rapport avec les emblèmes que nous connaissons, que tout cela est troublant. C'est vrai, c'est troublant. S'agirait-il de magie ou bien d'une quelconque technologie? J'aimerais beaucoup découvrir la vérité à ce sujet. C'est vrai qu'il reste des mystères sans réponse quand même. Hein. J'aimerais connaître leur histoire et prendre la mesure de leur connaissance. Pourquoi ont-ils choisi de s'installer ici à votre avis? Ma foi, je n'en sais rien, et oui. Non, évidemment, si nous voulons l'apprendre davantage, il semble que nous ayons d'autres choix que de mettre la cité au jour. Mais j'ai cru comprendre que vous alliez prendre la tête des opérations. Dois-je vous demander la permission avant d'entreprendre les fouilles? Probablement, oui, mais tu l'as. Donc t'inquiète. TKT, mon pote. Il manque quelqu'un que je n'ai pas vu, c'est qui? Bah si, en fait, je les ai tous vus. Ok, et bien du coup, on va aller voir Shamir et Cetes. La guerre est enfin terminée, j'avoue que cela m'émeut un peu. L'état de santé de Rhea est préoccupant, mais nous n'y pouvons rien du tout. Mais passons aux choses sérieuses, avez-vous vraiment l'intention de gouverner Faudelan? Je ne sais pas vraiment, tout à fait. Je ne sais pas vraiment, ouais. C'est vrai que c'est soudain, quoi qu'il en soit, faites ce que vous semble préférable. Oui, non, franchement, en fait, c'est que on va partir sur un oui en termes de remplacement, mais c'est pas... Mais c'est franchement pas tout à fait, quoi. C'est genre, peut-être. Alors, votre décision est-elle prise? Cette action terminera le mois en cours et vous fera prolonger dans l'histoire. Toutes les activités du mois seront passées, cela vous convient-il? Non. Je vois, sachez en tout cas que nous faisons tout nos possibles pour hâter la guérison de Rhea. Et mettre cette période à profit pour vous entretenir un peu avec tout le monde, cela vous ferait certainement le plus grand bien. Eh ben oui. Non. Exercice avancé, enseigne-moi un peu de ça, tiens. Hop. Et du coup, on va faire du quartier libre. On va se reposer pour au moins réparer nos épées, profiter du mois, quoi. Augmenter nos effectifs et compagnie. Faire du tutorat. Dorothea. Alors, la foi. Parfait, c'est parfait. J'ai tout compris, parfait. Et oui, c'est parfait. Vous savez comment me motiver, professeur. On bourre. Alors, Shamir, à cheval. Bien. Tac, tac. Parfait, ce n'était pas difficile. Mais ça reste parfait quand même. Tintintin. Dun-dun-dun. Let's do this again. Jack, Cetes, aérien, s'il te plaît. Bien sûr que j'ai réussi, pour qui me prenez-vous? N'exagérons rien. Lol, mais c'est vraiment de la fausse modestie du coup. toi, à cheval. Niveau supérieur, carrément A, félicitations. Merci, c'est rassurant. Parfait, encore une fois. C'est parfait. Jack Linhart.
Toi, tu vas y aller à fond. À fond, à fond, à fond. Le soin. Et puis, du coup, Flame, tiens. Allez, fais-nous un peu de science. Bien. 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 Ouais. Pas si bien que ça, du coup. Corvée, est-ce que je peux assigner d'autres élèves? Tâche du monastère. Pas cuirassé, mais aérienne, par exemple. Je vais faire CTS. Cyril. Et non, voilà. Mais il aime bien le talent cavalier, Cyril. Mais il aime bien l'aérien, lui. Alors, faut savoir. Ça, le truc. On va plutôt laisser ça. Commencer. Professeur, puis-je vous poser une question? Mais bien sûr, Flayne. J'aimerais tant pouvoir retrouver les lieux où j'ai passé du temps avec ma mère, mais je ne suis pas autorisé à quitter l'enceinte du monastère pour une raison pareille. Cela m'attriste beaucoup, que puis-je faire? Faites une sieste, vous rêverez peut-être d'elle. Fermez les yeux, imaginez qu'elle est à vos côtés. Dessinez un portrait de votre mère. Splendide, ouais. Quel conseil? Manuela fête son anniversaire. On va offrir des fleurs seulement. Faut pas déconner non plus. Après, elle va s'imaginer des choses. Cétès aimerait vous parler. Eh bien, on va parler à Cétès. Puis-je discuter de quelque chose avec vous? Mais bien sûr. Je vous avais promis de vous aider à découvrir la vérité sur votre identité. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas si simple. Il y a certains détails que je ne vous ai pas révélés. Quels détails? Ah, il va enfin nous dire des choses, peut-être. Il y a 5 ans, avant que Réa ne disparaisse, je lui ai posé quelques questions à votre sujet. J'ai appris qu'elle savait tout sur vous. Plus que cela, à vrai dire, c'est elle qui vous a créé. Ah oui, carrément. Que voulez-vous dire? J'imagine qu'elle ne vous a pas encore tout raconté. Bah non, elle était censée le faire et elle... Non. Je pourrais vous révéler ici et maintenant les bribes d'informations que j'ai apprises d'elle. Toutefois, je crains qu'une compréhension partielle ne vous soit plus nuisible que bénéfique. Tout ce que je vous dirai, c'est que la vérité n'aurait jamais dû vous être cachée. Ah. Je comprendrai que vous soyez déstabilisé. J'aimerais ajouter une chose si vous m'y autorisez. Bah oui, vous, Réa et moi, nous sommes comme une famille. Et puisque ces liens nous unissent, vous pouvez être certain que je ne vous abandonnerai ni ne vous trahirai jamais. Bien au contraire, je veux voir ce que l'avenir vous réserve, je suis et je serai toujours votre allié. Les liens familiaux n'empêchent pas la trahison. C'est pas faux. Vous avez raison, l'histoire ne manque pas d'exemples pour le prouver. Je ne pense pas que cela sera le cas pour nous, mais j'imagine que tout ce que je peux faire, c'est vous demander de me faire confiance. Pour tout vous dire, vous m'êtes devenu indispensable. Et cela, peu importe notre éventuelle amitié ou mes points d'accord ou des désaccords avec Réa. Après cette guerre, où j'irai et ce que je ferai dépendra de vous. Que voulez-vous dire? En tout cas, elle est finie la guerre, là, non? Moi-même, j'essaie d'en faire sens. C'est probablement parce que vous me fascinez et que je ne peux me résoudre à m'éloigner de vous. Je n'aime pas les conversations à sens unique, mais dans ce cas précis, j'ai bien peur de ne pas avoir eu d'autre choix. C'est à vous de décider de notre avenir. Ah oui, carrément. Lui qui ne nous aimait pas dès le début, soutien A, la motivation est également augmentée. Ok. Eh bien, écoute. Encore des gens qui veulent nous parler, on a bien fait. Manuela aimerait vous parler. Eh bien, on n'a pas voulu fêter son anniversaire. Alors là, je lui dis, si tu veux jouer à ce petit jeu, on sera deux. Des petits twins à 2 sous dans ton genre, j'en trouve à l'appel. Ah, moi, il faut pas m'énerver, ça me rend dingue. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un homme à l'horizon qui saisisse un peu ma valeur? Oh là là. Maintenant que j'y pense, vous avez toujours été gentil avec moi. Vous écoutez toujours mes problèmes, et ça commence à me saouler d'ailleurs. Je sens que je peux vous faire confiance, vous voyez. Si c'est pas tous les jours que j'ai cette impression. Je regrette de ne pouvoir vous aider. Vous êtes une très bonne amie. On va lui casser ses rêves. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je savais que vous alliez me dire ça. Nous reparlerons de tout cela quand cette guerre sera terminée, d'accord? Quand nous serons tous en sécurité. Mais elle est terminée, la guerre. Allez, marre de me lamenter sur mon sort, il faut que je me change les idées. Nous avons encore beaucoup à faire, vous et moi. Et puis, un ou deux hommes qui me repoussent, ce n'est pas la mer à boire. Qu'est-ce qui ne va pas? Un homme ou deux, soyons honnêtes, c'est plutôt 100 voire 200. J'en ai, mais vraiment.
Oh la pauvre. Ah et puis zut, je broie vraiment du noir. Je sais, je vais me faire un peu d'exercice. Ça devrait me vider la tête. Je file sur le terrain d'entraînement, allez venez m'aider. Je vais passer mes nerfs sur une bonne centaine de mannequins d'entraînement, voire 200, c'est ça, si on a ça en réserve. Loul. Ah, le caractère de la bonne femme. Ok. Ces temps de chargement sont toujours relous. On va régler ça à deux cuillères de temps. Pas de problème, on s'y met. Merci d'avoir pris la direction des opérations. Qu'est-ce que tu penses du résultat? On aurait pu faire mieux, je me donnerais plus de mal la prochaine fois. On n'aurait pas dû les désassigner et les réassigner. Ça a tout niqué. Niveau supérieur. Hahnemann. J'ai encore beaucoup à apprendre. Portée magie noire plus 1. C'est bien ça. Ding, du, ding. Liste. Liste. Hahnemann. Hop. Technique. Portée magie noire plus 1, c'est quand même vachement mieux. Dans ce niveau 1, ça dégage. Voilà. Ok. On a plein de niveaux soutien là quand même. Ah même. Bon, en fait le S c'est potentiellement ce qui va arriver. C'est pas encore acquis, c'est ça. Et oui, mais on peut pas encore le faire. Ok ok. On va se reposer. Hop. On va faire une instruction auto. J'ai encore beaucoup à apprendre. Parce que ça, on va accélérer un petit peu. Hop. Temps de chargement. On aurait pu faire mieux. Ouais, bon, on va. Est-ce qu'on lui ferait pas changer de direction le Cyril? Non, il est encore, il est à cheval, c'est pas mal. Hop, de retour ici. Est-ce qu'on pourrait pas faire des certificats? Ah si, là, c'est tous. Ah oui, mais il a le certificat pour faire un chevalier Wyvern. Est-ce que à la Wyvern ils peuvent utiliser de l'arc? Chevalier apte à commander une Wyvern, caractéristique élevée, faible contre arc et magie, peut se déplacer encore après le combat. Non, c'est lance, hache. Hache, lance, arc, cavalerie. C'est pas mal ça. Il a la classe. Donc c'est cavalerie et lance qu'il faut augmenter. Alors que lui c'est plus c'est plutôt hache quoi. C'est lance, hache et aérien. En plus, il aime ça. On va plutôt le faire en. En Wyvern. Faut le voir aérien. On va changer son objectif à lui. Ah ben voilà. Elle, on peut la mettre cavalier archer. Cavalerie A. Ah. Ouais, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Flane. Ah, suprême. Grémory, ben voilà. Hop. Allez, 66%. Tu vas nous le réussir, Flane. Ok. Très bien. Comme Dorothea. Parfait. Oui, on va passer à la classe certifiée. CTS, bah suprême. 49%, c'est pas assez. C'est pas assez. Dorothea, elle l'est déjà. Bernadetta, c'est pareil. Caspar, ok. Linhart, ok. Et nous, de toute façon... s'en fout, j'ai envie de dire. Donc,
séminaire et test, je fais pas aérien lui, c'est chiant. Du coup on va se reposer. Voilà. Instruction manuelle. Objectif. Plus que cheval. On va faire arc et aérien. Ah il est D en aérien, c'est chiant. Non on va garder arc et cavalerie du coup parce que sinon c'est un peu chiant. On va garder ça dans l'idée. Tu t'auras avancé. Du coup on va te faire augmenter le cheval. Le cheval c'est génial. Niveau B+. Ok. Shamir, pareil. Très bien. Tudutune. Ok. Linhart, la science, bourré la science, très bien, parfait, j'ai trouvé la bonne réponse, oui, les gars, l'habitude des compliments, ok, toi, le cheval, parfait, c'est félicitations, merci, c'est rassurant, très bien, très bien, attends, on va te faire passer A+ en arc, voilà. Ok. Bernadetta, elle a pris du galon. Elle science et foi, hein, c'est ça. Donc on va faire augmenter sa foi. Tintintin. Bien. Jack, il reste Mercedes. On va faire Catherine. Épée. Vas-y. J'avais donc raison, elle va passer en S en épée, elle. Ouais. Tintintin. Ou pas. Et non, en fin de semaine peut-être. Et hop, commencer. Tchouk, tchac. Ok. Fin de chapitre. Enfin, fin de semaine. Merci d'avoir pris la direction des opérations. On aurait pu faire mieux, c'est pas fou. Bloom, Kaspar qui gagne en niveau, ça c'est cool. Hop, il gagne tout son niveau là. Ah oui, ok. Donc, on va refaire un certificat. Maintenant, lui à cheval il est un petit peu plus élevé ou pas? Pas vraiment. Chamir non plus. Si. Non plus, un peu plus déjà, mais du coup c'est quoi qu'il faut que je l'augmente? La cavalerie, oh oui, bah c'est donc c'est bon, on est dans la bonne direction. Elle, c'était Fossoyeur, donc c'était la science qu'il fallait que je l'augmente, merde. C'était la science, en effet. Aloïs, on s'en fout. Manuela, on s'en fout. Hahnemann. Flayne, elle l'est déjà. Cetes, Lord Wyvern, 49%, c'est pas assez. Il faut augmenter l'aérien à lui encore. Et du coup, il n'y a personne. Dorothée, elle l'est déjà. Bernadetta, elle l'est déjà. Kaspar, peut-être, il l'est déjà. Linhart, en fait, il n'y a personne. Ok, il va se reposer. Hop, comme ça on est en pleine forme. On fait ça. Instruction manuelle. On va faire tutoriel automatique en fait. Ouais, parce que j'ai un peu la flemme de refaire ce qu'on vient de faire. Ça n'a pas augmenté vraiment les bons, mais c'est pas grave. Et commencer. Parce que de toute façon ils étaient fatigués les autres, donc. On n'aurait pas pu faire grand chose de plus. Il ne se passe rien de nouveau cette semaine. Et là, cette fois,
On va se reposer, ça change aussi, ça va augmenter la motivation. Et ça va être le dernier jour du mois. Et là, on va commencer la mission. Travail, un compliment de Chamir. Ah, ben voilà, c'est parfait. Hop, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ok. Séminaire, peut-être. Allez, un séminaire pour Hanuman. Balam, balam. Prennent tous des notes. Ce sont des élèves appliqués. Je suis content de m'améliorer, je tâcherai d'exploiter au mieux. Ah ah! Ok, ça c'est pas mal. Et le 31 du mois, on va peut-être avoir enfin des révélations. Avant d'annoncer sa décision, Bailes a visité le cimetière. Ah. Maman. Ou papa. Ou les deux. Ouais, les deux. Pardonne-moi, je crois que tu vas devoir continuer sans moi. Un jour, j'espère que tu offriras cet anneau à quelqu'un que tu aimeras autant que je l'ai aimé. Quelqu'un que j'aimerais. Ah. C'est là qu'on fait notre sélection. Personne. Ça, c'est aléatoire. Bah, en fait, je sais pas ce que ça fait, ça. Vous partagez votre vie avec point d'interrogation. Ah, ça fait genre, on sait pas quoi. Ok. Bah, on va faire Dorothea. Hein. Incroyable. On a fait ça comme ça. On va faire la campagne, qu'est-ce qui se passe? Dernier combat, la chute de Shambhala a marqué la fin d'un conflit long de 5 ans. Le monde allait enfin connaître la paix. Rhea Mourante convoque alors le commandant de l'armée rebelle, espérant lui confier l'avenir de Fodlan. On va voir ce qui se passe. Ça va être un long épisode, c'est pas grave. J'ai envie de savoir, j'ai besoin de savoir. En tout cas, on a voulu partager notre vie avec Dorothea, c'est fait, c'est acté, mais on sait pas bien ce qui se passe. Elle a accepté probablement, mais c'est pas plus. Mon cher enfant, vous êtes enfin venu. Dehors, en pleine nuit, cela me rend si heureuse. Mon cœur se réjouit de vous voir sain et sauf. Avez-vous pris votre décision, professeur? La déesse soit louée, Rhea a survécu à cette terrible épreuve. Cependant, nous ignorons combien de temps sa flamme continuera de briller. Alors, professeur, qu'allez-vous faire? Acceptez-vous de régner sur Flodlan? Avant que vous ne répondiez, je tiens à honorer la promesse que je vous ai faite. Vous allez connaître la vérité sur votre identité. Je ne vous cacherai rien. Ah, bah, il était temps. Ah, les deux autres sont barrés. Je vous ai créé. Et vous portez en vous la gemme emblématique de la divine ancêtre. Alors, comment tu nous as créé, en fait? C'est ça le truc. Afin de la ressusciter, j'ai caché dans votre cœur sa gemme emblématique. Ah oui, carrément. Mon cher enfant, je suis désolé. Je voulais la voir, ma mère. Même si pour ce faire, il me fallait briser un tabou. C'était donc sa maman. Qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pensé que je pourrais retrouver tout ce que j'avais perdu en ressuscitant ma mère. Pour lui redonner vie, j'ai commencé à créer des corps afin d'y enfouir sa gemme emblématique. T'as tué notre maman, en fait, c'est ça? Lors de ma 12e tentative, effectuée avec le plus grand mal, j'ai créé une jeune femme, et ce fut un échec. Ma création grandit sans la conscience de la divine ancêtre et devint amoureuse du capitaine de l'ordre de Seiros. Ah. Un jour, elle tomba enceinte, mais l'accouchement ne se passa pas comme prévu. L'enfant ne respirait plus à la naissance, et elle était de même en danger de mort. Et elle était elle-même en danger de mort, ouais. La jeune mère me supplia de lui retirer la gemme emblématique pour la transmettre à son bébé. Si je n'avais rien fait, elle et son enfant seraient morts tous les deux. J'ai donc accompli sa dernière volonté. Comme elle l'avait espéré, le bébé s'est alors mis à respirer, sa jeune vie était sauvée. Votre vie, cher enfant. Et ben, du coup, y a quoi de grave? Bon, bien avant cet événement, j'avais déjà sauvé la vie de Gérald en utilisant le pouvoir de mon sang. En d'autres termes, vous êtes l'enfant d'une femme porteuse de la gemme emblématique, de la divine ancêtre et d'un homme porteur de mon sang. Je savais au fond de mon cœur que vous pourriez abriter la conscience de la divine ancêtre. Ah ah, et j'avais raison. Pourtant, elle s'est contentée de vous donner son pouvoir avant de disparaître.
Mon souhait le plus cher ne s'est pas réalisé, mais vous êtes là. Et voulez voir sa maman. Vous seul portez le pouvoir de la divine ancêtre. À présent, je vous conjure d'utiliser ce pouvoir pour sauver le monde. Vous devez... Ah. Il est en train de mourir. Que... Non. Ah. Rhea. Que se passe-t-il? Je vous en prie. Calmez-vous. Il est en train de crever. Le pouvoir de l'emblème est-il en train de prendre le contrôle de son corps? Mais pourquoi? Ah. On va devoir affronter Rhea en mode dragon. C'est horrible. Des bêtes blanches ont surgi dans tout Garrigmak. C'est difficile à croire, mais nous rapporte que des évêques et des chevaliers se sont transformés. Des bêtes blanches? Serait-ce ceux à qui Rhea a donné son sang et des gemmes? Des bêtes démoniaques arrivent. Elles veulent s'en prendre à Rhea. Professeur, la situation est grave. Si nous ne faisons rien, Faudlan sera détruite par l'Immaculée et ses enfants. Il n'y a qu'une chose à faire. Nous devons tuer. Miséricorde. Nous n'avons d'autre choix que de tuer Rhea l'Immaculée. Ripreya. Bon, ben on va tuer Rhea. Hein. Avec l'emblème de Sotis, la déesse, quoi. Alors, chaque emblème est unique et confère à son poids des aptitudes spécifiques. Oh. Bien qu'elle ait montré de légers signes de rétablissement, Rhea se heurte à ses limites. Incapable de contenir sa puissance plus longtemps, elle se transforme une fois de plus en l'Immaculée. Et comme un écho, les prêtres et chevaliers à qui Rhea avait fait don de son sang se métamorphosent eux-mêmes en bêtes blanches. Bien décidés à sauver Faudlan d'un danger que rien n'aurait laissé présager, les rebelles se préparent pour leur ultime bataille. Les quêtes de chasse requièrent que vous alliez au combat. Ça sent la fin. Ça sent la fin. 42 minutes déjà d'épisode. J'hésite à m'arrêter là. Parce que 42 minutes, ça dure 40 minutes, ça fait 1h20 d'épisode. J'ai déjà fait des épisodes d'1h20, mais le problème c'est que le combat risque d'être long. Et que derrière, il va y avoir des cinématiques et compagnie. Mais ça fait 1h30, ça fait beaucoup quand même. C'est pas grave. On va aller voir la carte. On va aller voir s'ils sont nombreux. Ils sont 33. Il faut vaincre le boss. Il faut vaincre Rhea. 60 PV, elle a 4 vies. Et la gemme de Seiros. Non, ça risque d'être long. Ça risque d'être long quand même. Hein. Poulala. Ouais, ça va être trop long. Donc écoutez les amis, on va pas faire ça. On va sauvegarder. Et on va se dire du coup à la prochaine. En tout début de combat. Et donc on fera... le combat la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine du coup, parce que c'est le dernier épisode de la semaine. Et je vous dis donc à la prochaine, voilà, ciao tout le monde.